Alors, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue au stade Alassane Digo de Pékin pour ce match. Content pour la 8e journée du championnat national de Ligue 1 ici au stade Alassane Digo. Dakar Sacré-Cœur qui reçoit l'équipe de Guédiouaï Football Club. Un match qui sera arbitré par Cissé Gueye, assisté de Adama Dieng et de Badar Rafal. Ils sont tous de la CRA de Thiès. L'inspecteur des arbitres s'appelle Mansour Gueye. Mansour Gueye, il est de la CRA de Kaolack. Et dans quelques instants, l'arbitre va donner le coup d'envoi de cette partie ici au stade de Alassane Digo. Le Guédiouaï, nous avons comme 11 T. Mamli Bassengom, Mahmoud Diallo, Pape Doudou Diallo et Pape Insan Badji. Le coach de Dakar Sacré-Cœur s'appelle David Loberti. Celui de Guédiouaï Football Club s'appelle Souleymane Diallo. On voit ici au stade Alassane Digo. Voilà, le coup d'envoi est parti. Ballon pour les joueurs de Dakar Sacré-Cœur qui vont perdre. Et Mahmoud Diallo qui garde cette balle. Attention, l'équipe de Guédiouaï qui garde cette balle. Ballon perdu, récupéré par les joueurs de Dakar Sacré-Cœur. Ballon perdu et c'est l'équipe du Guédiouaï Football Club qui va repartir du bon pied. Attention, qui va orienter le jeu. De l'autre côté, il garde le ballon, qui va chercher un patin démarqué. Falilou Fall, bousculé, l'arbitre ne dit rien. Ballon toujours pour le Guédiouaï Football Club. Serigne Faye, il cherche le partenaire démarqué. Ismaël Sonko, Mahmoud Diallo dans ses œuvres, qui va perdre cette balle. Ballon récupéré par les joueurs de Dakar Sacré-Cœur. Abdourahmane Ba qui va déplacer les yeux de l'autre côté. Attention, Ibrahim Balia Sanya qui va perdre cette balle. Argueil qui va essayer de travailler son vis-à-vis. Pape Jean-Pierre Kasoka. Attention, Jean-Pierre Kasoka, un appel de balle de Pafara. Non, il préfère retourner pour Jean-Pierre Kasoka qui va déplacer les yeux de l'autre côté. Ici, Abdourahmane Ba qui préfère retourner. Cheikh Oumar Koné, Jean-Pierre Kasoka, Cheikh Oumar Koné. Alune Soane, non, c'est Papara Gaïa de Dakar Sacré-Cœur, Jean-Pierre Kasoka. Ballon déplacé de l'autre côté pour l'équipe de Dakar Sacré-Cœur, Mbaye Ndiaye. Et c'est l'équipe de Guédiouaï qui garde ce ballon sur le côté droit, qui va chercher un partenaire démarqué. Ballon dégagé. La tête pour qui? Mahmoud Diallo. Toujours pour l'équipe du Guédiouaï Football Club. Mormberi Diouk. Mahmoud dans ses œuvres. Il est très percutant. Mahmoud qui garde cette balle. Mberi. Mahmoud qui va redonner ce ballon à Mahmoud. Ballon contré. Et c'est le Guédiouaï qui va récupérer toujours ce ballon. Ismaël Sonko. De l'autre côté, Falilou. Ça joue bien. Ballon perdu. Récupéré par les joueurs de Guédiouaï. Falilou Fall. Un appel de balle, Ismaël Sonko, Mormberi, Mahmoud Diallo, Mormberi, qui va essayer de travailler son vis-à-vis, il ne passe pas. Attention, Sonko, ballon récupéré pour l'équipe de Dakar Sacré-Cœur. Attention à cette balle de contre perdu, Pape Doudou, attention, qui va s'engouffrer. Jouer 0-0 pour le moment, mais c'est un match plaisant. Ismaël Sonko, Serigne Faye, le capitaine, qui déplace le jeu de l'autre côté. Abdou Aziz Diawa, Falilou Fall, Mahmoud qui va perdre cette balle pour les joueurs de Dakar Sacré-Cœur. Et là, c'est Abdourahmane Ba, ballon perdu. Salomon T, Falilou, Mahmoud sur le côté droit, dans ses œuvres, qui va essayer de travailler son vis-à-vis. Le centre est parti et c'est dans les bras de Pape Aboulaye Diéng. Tranquille. Attention, Pafara Gueye pour Dakar Sacré-Cœur. Il touche Pape Doudou, Pape Insan, Pape Doudou, Pape Insan. Attention, malheureusement, il va perdre ce ballon, Jean-Pierre Kasoka. Attention, Mahmoud qui va s'engouffrer dans la surface. Il est bousculé. L'arbitre ne dit rien. Abdourahmane, Jean-Pierre Kasoka ont réclamé tout à l'heure un pénalty. Dans... C'est un coup franc
pour le Guignol Football Club. C'est un coup franc très intéressant juste à l'entrée de la surface de réparation. Un coup franc de la droite vers la gauche. Et c'est Mamli Bass qui pose son ballon. L'arbitre est en train de demander aux joueurs de Dakar Sacré-Cœur de respecter la distance réglementaire qui est de 9,50 m. Voilà, c'est fait. Je vois Mamli Bass et Falilou. Attention, Mamli Bass, beaucoup de monde aux abords du point des pénaltys. Je vois Pape Doudou, Pape Vincent, Abdou Diaw, Serine Faye, ils sont tous là. Mahmoud, attention, le coup franc est parti. La tête repoussée par le gardien. Le gardien Papa Blanquet qui a été là de tout son talent pour dévier ce ballon en corner. Ah ouais, ils ont eu chaud là. Hein. Et là, c'est Mahmoud du Guignol Football Club qui va dégager ce corner. Attention, le corner est parti. La tête, c'est l'ouverture du score. L'ouverture du score. Ici au Sadio Amadou. Il faut revenir. On va essayer de voir le ralenti. De toute façon, le coup est déjà parti. Il n'y a pas de VAR. Mais on est en direct. On va essayer de nous voir la chance. Voilà. Ouais. Qui va certainement voilà, donner le coup d'envoi. Pape Issa Badji qui donne le coup d'envoi. Et c'est le nouvel entrant. Modou Sey Ndiaye, Mbaye Ndiaye, Moussa Kanté. Bousculé, l'arbitre ne dit rien et c'est une touche pour l'équipe Guédiaway qui mène sur ce score de 1-0. Attention, ballon récupéré par l'équipe du Guédiaway. Attention à cette balle de contre, Mahmoud qui va s'engouffrer et il a été retenu juste à l'entrée de la surface de réparation et le match s'anime de plus en plus. Mahmoud, une touche rapidement joué. Guignaway qui garde toujours cette balle. Bafara qui met son pied. C'était destiné à Mohamed Diallo. Ballon perdu. Le Guignaway Football Club par son capitaine Serigne Faye. Abdou Aziz Diaw. On voit qu'il y a beaucoup de coachs dans les gradins. Attention, Ismaïla qui va essayer de travailler son vis-à-vis. Ismaïla, attention dans la surface de réparation. Il est dangereux. Il va faire du mal. Par contre, il va l'envoyer. Pas Vincent. L'arbitre qui lève son drapeau pour signaler une potion de feu. Rapidement joué. Mbaye qui garde cette balle. Il va chercher un partenaire démarqué. Attention à cette balle de contre Abou Rahman Ba. Une balle est tout dans la défense du Guignaway. Il va le pousser. Le nouvel entrant. Serine Konaté, il garde toujours cette balle et c'est un coup franc. C'est un coup franc pour le Dakar Sacré-Cœur dans cette seconde période. Ah oui, 15 points. Cherkane, ballon dégagé. Moussa Kanté, Abdou Rahman, la tête. Ballon perdu, récupéré par Moussa Kanté. Le Dakar Sacré-Cœur. Et c'est une touche, Mbaye Ndiaye, une touche rapidement jouée pour Dakar Sacré-Cœur. Il va perdre cette balle, Mohamed Diallo, Mamli Bass pour Guignaway. Cheikh Oumar Kone, Pape Issa Badji, il est retenu, carton, l'arbitre ne dit rien. Mohamed Diallo pour l'équipe de Guignaway. Ballon perdu, une mauvaise passe. Abdou Rahman, Cheikh Oumar Kone, Ismaïla, Pape Issa. Oh là 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 là. Beaucoup d'agressivité dans cette seconde période du côté de Dakar Sacré qui est en train de bouger. Diaw applaudit de frappe, ça passe à côté. Une touche pour Dakar Sacré-Cœur. Abdou Aziz Diaw. Mamli Bass, ballon perdu, non, c'est Mamli Bass qui garde tous ses balles, ballon perdu, il connaît dans l'entrée de Mahmoud Diallo, Cheikh Oumar Kone de
Dakar Sacré-Cœur, je suis Sombier, Bayaye, Mohamed Diallo, Abou Rahman, Bayaye, Cheikh Omar Kone, Saint-Jouvier, Alim Soale, du Ramon de Terre, Balle au pied, Abou Rahman Ba, le capitaine Serine Faye, du Guinée Football Club, qui récupère ce ballon, Bafara, Cheikh Omar Kone, qui garde ce ballon, qui va chercher un côté démarqué, Alim Soale, tranquillement, sur le tronc du roi, Bafara, Moussa Kanté, la tête de Serine Faye, Abou Rahman, Mbaye Diaye, Moussa Kanté, Mbaye Diaye, Bafara sur le côté droit, le centre est parti, attention, la reprise manquée. Ah ouais, ça vous rappelle Amar Simba, un ancien attaquant du Paris Saint-Germain, qui nous faisait des bicyclettes, mais également de Bognac. Quand on parle de Bognac, on parle de cette Coupe du Monde de 86 Mexico, où l'attaquant Bognac, le Polonais, avait l'habitude de nous faire des bicyclettes. Et ça fait longtemps, hein, 1986. C'est cette finale où l'Argentine avait battu l'Allemagne par 3-2. Diego Maradona, paix à son âme, il avait réussi à récupérer le ballon dans les 5 dernières minutes de la fin pour donner ce ballon à Bourouchaga, qui avait permis à l'équipe d'Argentine. Et en 90 également, les deux équipes se sont retrouvées encore en finale. Et cette fois-ci, c'est l'Allemagne qui avait pris sa revanche grâce à un pénalty transformé par Bremen. Alors on revient sur cette partie, Bourouchaga, qui va perdre ce ballon. Attention, Dakar Sacré-Cœur qui attaque. Moi, je ne comprends pas dans cette seconde période. Ah ouais.